regardez comment ça te fait les trucs. Bonne année Hermine. Bonne année, bonjour Clara. Vraiment 16 heures comme ça là. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez un peu le petit direct là, non? Le morceau là est 8 minutes. Hein? Nous les parlons sans trop 10 minutes comme ça, on va pas écouter tout. Toutes les 10 minutes. Bonjour à tous. Bonjour Karine. Bonjour Gypsy. Bonjour Zita. Bonjour Yvette. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent et qui vont suivre mon direct en différé. Dans un premier temps, je tenais déjà à remercier certains et certaines d'entre vous qui se sont inquiétés pour mon état de santé, qui se sont inquiétés pour ma personne. J'ai des grands frères qui m'ont appelé. J'ai fait un gros bisou à Bob le fou qui a passé plus de une heure au téléphone avec moi. Un gros bisou à Nicolas, mon frère. Un gros bisou à Natacha et autres, à ma collègue, à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien et qui m'ont écrit. Je vous pose merci, merci. Ce sont des situations de la vie qu'on parfois on s'y attend pas, qu'on ne sait pas comment gérer, et quand ça nous arrive, on ne sait pas comment les gérer. Donc, merci à toutes ces personnes-là. Je sais maintenant que j'ai une grande famille dans le net. J'ai une très grande famille, comme l'a si bien répété mon grand frère Bob. On a commencé ce combat ensemble. Il est hors de question que tu nous laisses en 2020 et pour qu'on puisse profiter de la liberté sans notre maréchal. Merci beaucoup, j'ai pris note en espérant que Dieu nous protège tous jusqu'à la liberté de notre pays et que nous puissions enfin tous ensemble savourer la joie de la liberté de notre cher pays. Donc je tenais déjà dans un premier temps à dire merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages, merci à toutes ces personnes qui m'ont écrit. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails comme c'est dans un cadre privé, mais qui m'a totalement un peu dépassé. Donc je vous dis tout simplement merci. Pour vos cœurs, merci pour le soutien et merci pour les encouragements. Bien, voici déjà le point. Comme on dit, toucher mais pas. On est comme toucher mais pas atteinte, toucher mais pas atteinte. Je suis tombée mais je ne suis pas atteinte. Voilà, donc je me lève et comme d'habitude, je suis le phénix, j'essaie de me renaître de mes cendres. Voilà. Donc c'était déjà. Ça, c'était déjà la première chose que je voulais vous dire en ce bonne année. Ça fait deux fois que j'ai supprimé mes lives de bonne année. À chaque fois que je lance, je supprime parce qu'après, il y a un élément qui vient déranger. Comme la dernière fois, il y a ma mère qui criait vers la fin. J'étais obligée de supprimer. Et l'autre live là où vous avez vu la tata dérangée dans un état dont elle n'a jamais été. Et donc, je ne pouvais pas laisser ça longtemps dans les réseaux sociaux. Ce n'était pas, ça faisait pas partie de mes personnalités. Je vois, c'est une personne qui passe tout son temps à rire, même quand elle a le malheur, j'ai ri. Mais bon, là, c'était vraiment un moment de trop. Merci à tous encore. Je vous aime beaucoup. Je vous apprécie beaucoup de près et de loin. Merci. Revenons alors à nos moutons. La chose qui me fait, malgré mes états d'esprit psychologiques, j'ai vu un psychologue. Je vous préviens déjà que si vous me provoquez là, j'ai déjà un psychologue. Donc, attention, mon état d'esprit est déjà trop dérangé. Je suis déjà suivi par les psychologues. Donc, je suis en train de devenir folle. Donc, ne me rendez plus trop folle. Ne me rendez plus trop folle. Donc, revenons à nos moutons. Je ne vais pas cesser de dénoncer ce genre de comportement. Je ne vais pas cesser de dénoncer ce genre d'injustice qui se passe dans notre pays. Parce que parfois, on a tendance à oublier que les Gabonais aussi ont le droit... ont droit à la justice dans notre pays. Parfois, les gens se contentent de calquer le droit extérieur, c'est-à-dire le droit des étrangers, vouloir l'appliquer dans notre pays, alors que c'est deux pays distincts, c'est les pays distincts, donc chaque pays est régi par ses droits.
Je ne vais pas m'arrêter de parler de ça. Vous savez, quand tonton Samuel Jackson est venu au Gabon là-bas, je n'ai pas arrêté d'embêter ou bien dénoncer le fait que Jackson a obtenu la nationalité comme ça, alors que nous, les Gabonais, nous avons des problèmes à obtenir des papiers. Je n'ai pas arrêté ici. Là, je pense que j'avais fait même ça au moins une semaine. Je n'ai pas arrêté de parler de Jackson ici. Il est où aujourd'hui? C'est bien beau de prendre la nationalité. Jackson a pris la nationalité. Est-ce qu'on a encore entendu parler de lui? Il est où? Il est venu faire son buzz politique au Gabon, ou il est venu faire son buzz, je ne sais pas par quoi, par comment ou quoi, prendre la nationalité. Aujourd'hui, c'est normal. Moi, je dis, je ne peux pas en vouloir à ces personnes qui veulent retrouver leurs origines, qui veulent savoir d'où viennent leurs aïeux. Moi-même, encore dans mes embrouillages, je me suis permis de faire un test qui m'a balancé au Nigeria. Donc, ce n'est pas interdit de chercher à savoir d'où viennent nos aïeux. Ce n'est pas interdit de savoir, chercher à comprendre par où nos ancêtres ont traversé pour atterrir dans telle place, pour faire refuge, domicilier leur résidence principale, soit au Gabon, soit au Cameroun ou autre pays. D'accord? Mais le plus important ici, que moi je vais dénoncer ici encore une énième fois, comme je l'avais fait la dernière fois avec tonton Jackson, je vais toujours l'appeler comme ça, tonton Jackson, comme je l'ai fait la dernière fois avec Samuel Lee Jackson, c'est tout simplement la manière dont les choses sont faites. J'ai lu depuis hier, hein, malgré que j'étais dans mes Kongolo, depuis hier, des interventions, parce qu'il n'y a qu'au Gabon que quand il y a une chose arrive au Gabon, là on a des personnes qui connaissent mieux le droit étranger que le Gabonais, lui-même. On a des personnes qui vous pointent vraiment pour des cons, pour des bêtes, parce que tout simplement c'est des gens venus d'ailleurs qui ont plus de pouvoir, qui ont plus la capacité d'obtenir la nationalité gabonaise, ou qui ont plus la légalité d'être Gabonais que le Gabonais lui-même. Parce que c'est à partir de là que vous voyez des personnes pseudo-expertes ou experts sortir avec des théories de « il a le droit gabonais le permet ». Je ne vais plus vous parler de gauche à droite comme je l'avais fait la dernière fois avec tonton Jackson. Comme j'ai commencé, j'avais expliqué comment mon frère a eu des difficultés pour obtenir sa nationalité étant de père camerounais et de mère gabonaise. Je ne vais pas vous expliquer ça. Aujourd'hui, beaucoup des Américains cherchent maintenant à obtenir la nationalité des Africains. Bon, ils sont Africains, on ne va pas le nier, mais bon, bref, ça c'est, Africains géographiquement, on va parler comme ça, d'accord? Revenons maintenant revenons un peu au fait de notre pays. Je vais d'abord prendre l'exemple parce que notre droit, notre législation est un peu calquée à la législation française. Vous m'excuserez pour l'articulation. Vous savez, je n'arrive pas à articuler parce que je parle trop vite avec la langue. Donc, notre législation est calquée à peu près à celle de la France. Et lorsque les personnes vivant en France qui connaissent un peu comment les choses se passent ici et que tu lis les conneries que les gens racontent sur Internet, tu as tout simplement envie de péter un câble. Hein? Ce n'est pas parce que tu connais, mais parce que toi-même, tu as l'expérience témoin, hein, de la situation. Monsieur Ludacris, je vais l'appeler comme ça, a le droit d'obtenir la nationalité par époux, c'est-à-dire par mariage. On peut obtenir la nationalité par mariage. Ça, c'est une chose. Soit, il a le droit d'obtenir la nationalité et les enfants ont le droit de prendre la nationalité. Mais là où ça va se corser, c'est au niveau des parents. Au niveau des parents qu'on appelle ici ascendants. Les parents qu'on appelle les ascendants. Les enfants, c'est les descendants. Je pense que c'est comme ça. Les ascendants n'obtiennent pas la nationalité automatiquement. Les ascendants n'obtiennent pas la nationalité automatiquement. Cher peuple gabonais, même si nous sommes un peu ignorants, que nous n'avons pas fait le droit et que nous ne connaissons pas les choses qui se passent ailleurs, donc parfois il faut éviter de faire des comparaisons qui ne tiennent pas. Voilà une chose. Comme vous aimez calquer la loi gabonaise à la loi française, je vais vous parler de l'expérience en France de tout le monde, pas la mienne, parce qu'après vous allez encore me dire que tu aimes toujours ramener toi tout au jeu. Ici en France, la législation française voudrait que lorsque tu te maries avec un homme français,
C'est au bout de la quatrième ou la cinquième année que tu obtiens la nationalité. Ce qui veut dire que Ludassi, là, a le droit d'obtenir la nationalité gabonaise parce que ça fait 8 ans qu'il est marié avec une gabonaise. Ça, c'est bien. Il respecte déjà cette condition. À partir de la quatrième et la cinquième année, tu peux introduire une demande de nationalité à l'État français. Lorsque tu obtiens la nationalité, si tu avais des enfants, si vous avez des enfants, tes enfants peuvent obtenir aussi la nationalité, donc tu peux aussi faire, parce que ce n'est pas aussi automatique, tu peux aussi donner la nationalité à tes enfants. Là où ça devient un peu aussi bizarrement bizarre, un peu compliqué, c'est au niveau des ascendants. Ma mère est en France ici depuis déjà 3 ans. Bon, bien que je n'ai pas voulu, je n'ai pas encore introduit la demande de nationalité à de ma mère, je n'ai même pas osé, mais comme je sais à peu près comment c'est. Pour que les ascendants français puissent obtenir la nationalité française, il faut minimum avoir 65 ans. Minimum 65 ans. C'est le droit français. Comme vous, les Gabonais, vous aimez calquer qu'en France, quand on est marié, on obtient directement la nationalité. J'ai lu ça partout. J'ai même lu ça dans le post de la petite Nadine qui a posté. Il y a les experts qui sont allés faire les experts de droit là-bas. Et c'est les gens de personnes comme ça qui m'énervent parfois. Parce que lorsque quelqu'un dénonce un fait réel, un fait qui est tout simplement court, les gens aiment amener la discussion en trimballant les législations qui n'ont rien à voir. Il faut minimum ici en France pour qu'un ascendant français puisse être français. C'est-à-dire que si ma mère là veut obtenir la nationalité française, pas ascendant parce que je suis française, il faut qu'elle ait minimum 65 ans et avoir résidé en France au moins 25 ans. Au moins 25 ans, avoir résidé permanentement dans le pays, donc elle veut solliciter la nationalité, au moins 25 ans et avoir minimum 65 ans. Ça, c'est quand on est ascendant et non descendant. Descendant comme les enfants, c'est normal, c'est presque automatique. Là, c'est normal. Mais lorsqu'on voit au Gabon qu'un homme obtient la nationalité par mariage, automatiquement, quand je regarde sa mère là, mais bon, comme les Américains aussi, avec le Botox et les chirurgies, je pense peut-être qu'elle a aussi déjà 65 ans. Gendjaba, qu'elle a 65 ans, hein? Et qu'elle a vécu plus de 60, elle a vécu plus de 25 ans au Gabon. Donc, ça veut dire que ça fait, parce qu'il faut au minimum, il faut à peu près un délai de 6 à 2 ans pour obtenir la nationalité, pour que la procédure complète. Pour que la procédure soit complètement complète, que tu aies le passeport, c'est au bout de la deuxième année que tu as le passeport, que le passeport sort. Quand on donne la nationalité, mes chers compatriotes, laissez-moi d'abord parler comme ça, parce que cette histoire des papiers gabonais fatigue les gens, cette histoire des papiers gabonais où les... Quand je vais parler d'étrangers, ça veut dire que... Ou des excusez-moi, ou des ayants droit n'ont pas ces ayants droit là, n'ont pas ce droit d'avoir leur papier, ou les ayants droit n'ont pas, doivent justifier qu'ils sont vraiment ayants droit gabonais, et que d'autres personnes qui sont parce qu'ils sont stars, parce qu'ils sont bien placés, j'entends les autres, les gens, oh, mais c'est une plus-value pour le Gabon, quelle plus-value pour le Gabon? Quelle est la plus-value pour le Gabon? C'est une plus-value. Bon, oui, on va parler du Gabon. Ça peut être une bonne chose pour le Gabon à l'international. Oh, on a une star qui est devenue gabonais. Samuel Lee Jackson est gabonais. Ça s'arrête là. Ça peut être une bonne chose. Excusez-nous, hein. Excusez les personnes à terre comme nous qui ne mettent pas les étoiles dans les yeux parce que, ah oui, je suis en face de Beyoncé, elle est gabonaise. Et puis comme Beyoncé est gabonaise, moi aussi je vais devenir Beyoncé demain. Et puis comme ça, je vais commencer à m'exhiber, exciter partout que j'ai une star qui s'appelle Beyoncé qui est gabonaise. Alors que moi-même, je suis en train de souffrir de faim là-bas. C'est pas ça le problème ici. Le problème est que si on veut respecter le droit, la législation, il faut que ça soit respecté partout. Aujourd'hui, je n'ai pas même parlé, même Bob le fou qui est à Paris est incapable d'avoir son propre passeport gabonais alors qu'il est gabonais ayant droit. Il est gabonais d'origine. Il n'a pas été adopté. Il n'a pas pris la nationalité gabonaise par mariage ou par quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va donner la nationalité à ascendant, ça veut dire qu'aux parents qui n'a pas 65 ans et qui n'a pas vécu plus de 25 ans au Gabon, excusez-moi de mal interpréter le droit gabonais, ça ce n'est pas écrit dans le, même dans la législation, ce n'est pas écrit. Je ne sais pas par comment cet homme, par comment Bilibise, là où ça m'énerve encore, hein, là où ça me choque encore, le choquement de ça, c'est que la demande de nationalité est donnée, soit
par le président de la République, par décret, par lui-même, par je ne sais pas comment, soit le président de la République, comme Macron avait fait à Moussa Baloulou, le machin là, soit par le ministère de l'Intérieur, par les préfectures et le tribunal. Au Gabon, on n'a pas de préfecture, ce qui veut dire qu'on n'a que le tribunal. Donc, je ne sais pas comment le connard de Bilibize, à chaque fois, celui qui doit donner des nationalités aux gens, Bilibize, il est ministre de quoi? Bilibize est ministre de quoi? Dites-moi, quels sont ces ministres-là? Bilibize, c'est ministre de l'Intérieur, ou ministre de la Justice, ou il travaille au tribunal. Hein? C'est quoi le rôle de Bilibize à chaque fois? Celui qui doit donner la nationalité aux étrangers, celui qui doit être là-dedans, avec sa bouche, on dirait la vache qui rit, tout le temps, celui qui donne la nationalité. Quel est le poste, le rôle titré de Bilibize? Parce que pour introduire la demande de nationalité, comme je dis, je vais prendre seulement une petite parenthèse, quand mon frère l'a fait, c'est auprès du tribunal, puisque au Gabon, là-bas, il n'y a pas de préfecture. C'est auprès du tribunal. Est-ce que Bilibize travaille au tribunal? Est-ce que Bilibize est le préfet? Est-ce que Bilibize est le procureur? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit tout le temps venir donner les passeports des gens avec son gros sourire à chaque fois qu'on voit? Bilibize occupe quel poste? Si ce n'est que le ministre, il est quoi? Ministre de quoi? Pardon, excusez-moi, il n'est pas ministre des Affaires étrangères ou ministre de quelque chose là. Si ce n'est que le poste de ministre qui n'a rien à voir avec l'attribution des passeports, l'attribution de citoyenneté aux gens qui veulent devenir Gabonais. Voici les choses qu'on dénonce vraiment qui énervent le peuple gabonais. Mais quand on veut parler de ça comme ça, il y a des gens qui aiment toujours faire les débats à gauche, à droite, les débats qui n'ont pas de sens. On vous pointe le doigt, on vous pointe le nez tout droit, vous voyez l'enfer. On vous pointe là que non, c'est bien que le type, il prend la nationalité. Ça, on n'en discute pas. Personne ne peut l'en vouloir. C'est normal. C'est dans la réglementation. Quand tu es marié à une étrangère, si tu veux prendre la nationalité de ton époux ou de ton épouse, voici les conditions. Donc, les conditions là, le monsieur a sûrement respecté les conditions puisqu'il a fait 8 ans. Et encore, il n'a pas vécu 8 ans au Gabon. Parce que ce n'est pas seulement 8 ans de mariage. Il faut aussi un délai. Et à 13 ans, il faut aussi un délai de résidence dans le pays. Dans le pays dont on souhaite demander la nationalité. Ça veut dire que lorsqu'il a demandé la nationalité, il a déjà fait 4 ans au Gabon. Minimum. 4 ans de vie au Gabon, minimum. Hein? Mes chers compatriotes, comme vous êtes là-bas au Gabon, là-bas. Vous connaissez tout. Nous, là, nous sommes les Vauriens, Nous, on ne connaît rien du tout. Quand on te donne la nationalité, lorsqu'on te donne la nationalité, on passe devant le préfet. On passe devant le préfet. On fait une cérémonie d'officialisation ou d'officialiser ou on officialise ça. Vous êtes tous là dans une salle. La première chose qu'on te donne quand tu prends ta nationalité, il faut m'excuser, ce n'est pas le passeport. C'est cette histoire qu'on appelle le certificat de nationalité. Vous m'excuserez si je peux même aller chercher le mien. C'est même pas le certificat de nationalité qu'on te donne. On te donne un papier bizarre là. C'est l'acquisition de nationalité. Quand je vais fouiller mes documents bizarre là-bas, que je viens vous montrer ça ici. C'est le papier là que le préfet vient te donner après avoir récité l'hymne national. Hein? C'est le papier là qu'on te donne. Et c'est avec le papier, c'est encore un papier. Un papier vierge. Hein? Bon, quand je dis vierge, je mange vierge. Donc, attendez, je prends un papier autre comme ça. Tu sais, vous savez que moi, j'aime illustrer les choses. Lorsqu'on te donne, on t'octroie la nationalité d'un pays, le premier jour qu'on t'octroie la nationalité, ce n'est pas le passeport. Cher Bilibize, ton idiotie n'a plus de limite. Ta bêteté n'a pas de limite. Ton ignorant, vraiment, même si tu n'as pas fait les études long comme ta petite sœur là, que je suis en train de parler, que je suis plus intelligente que toi là, malgré que tu es ministre, ton idiotie n'a pas de limite. Ce n'est pas le passeport qu'on délivre, qu'on montre le premier jour. Pour montrer que voilà, nous avons un nouveau citoyen gabonais, il faut même sortir au journal officiel. Le journal officiel doit communiquer, on doit voir dans le journal officiel a obtenu la... Oui, ici en France, comme vous avez dit que la loi gabonaise est calquée à la loi française. Montrez-nous d'abord le premier décret du journal officiel qui montre où monsieur le machin, les parents, moi je parle surtout des parents parce que le monsieur, il est dans les règles. Hein? Le garçon, l'homme est dans les règles. La mère n'est pas dans les règles. La mère n'a pas respecté les règles. Donc c'est de la mère que moi je dénonce. Je ne dénonce pas le mari. Je dénonce ici la mère. Il faut que vous soyez clair parce que vous, avec vos congossants d'interprétation, vous allez amener encore mon nom. Ça, c'est 2020. Ne me provoquez pas. Donc,
il aurait fallu déjà dans un premier temps que Billy Bize, comme celui qui est devenu chargé du tribunal, celui le préfet, celui le tribunal, celui le maire, celui tout, qui vient donner à chaque fois les passeports des gens. Il aurait fallu dans un premier temps, lorsqu'on octroie la nationalité à ascendant français, faire, comme on appelle ça, apparaître dans un journal officiel, comme au Gabon, le journal officiel que vous avez, c'est l'Union. Il aurait fallu déjà dans un premier temps que cette dame apparaisse dans l'Union, rubrique nationalité ici, là, hein, nationalité, citoyenneté, on allait voir son nom, a acquis la nationalité gabonaise par décret d'ascendant français suite à patapata. Tout ça là, hein, vous les connaisseuses de droit, moi je ne connais pas, je parle par expérience, hein, mais bien que mon expérience n'est pas hautement élevée, mais je passe par expérience, ça veut dire que je suis passée par là, et nombreuses de mes copines sont passées par là, et nombreux de mes camarades sont passés par là, donc merde alors. Donc il aurait fallu que cette maman ascendante de monsieur Lucratius ou Lucius là, que son nom apparaisse dans un journal officiel. Oui, d'abord ça. Et lorsqu'elle apparaît dans un journal officiel, il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie officielle de remise de papier. Et dans cette cérémonie-là, le papier qu'on te donne, c'est l'acquisition de nationalité. C'est un papier et le certificat de nationalité. Et c'est avec ce certificat ou cette acquisition de nationalité que toi, tu prends le temps maintenant d'aller déposer maintenant une demande de passeport au SEDOC ou bien à la mairie ici en France. Voilà vous ici là, les Gabonais autochtones, les Gabonais de source, les Gabonais de parents, les Gabonais de naissance. Mettez des années, des mois pour obtenir même une simple carte d'identité. Vous n'arrivez pas à leur donner ça. Bon, comme ils n'ont pas de plus-value parce que leur vie n'a pas de sens, comme ils n'ont pas de plus-value parce que leur vie ne valent rien, comme ils sont rien, ce sont de pauvres, les pauvres n'ont pas droit aux papiers. Qu'est-ce que les pauvres vont faire avec des papiers? Ils ne peuvent pas voyager, les pauvres ne peuvent pas faire des affaires, les pauvres ne peuvent pas jouir du bonheur d'être Gabonais. Parce que pour être Gabonais, il faut être riche. Vous donnez la nationalité gabonaise à tout le monde, il n'y a pas de problème. Au moins avec les 1 800 000, là, nous allons bientôt arriver à 5 millions d'habitants gabonais. Ça c'est bien. Et moi démographiquement, il faut un peu aussi que le chiffre de 1 là disparaisse un peu du Gabon. Hein? Ça c'est quelle histoire que dans ce pays là, vous faites les lois seulement, les lois bancales. Vos lois sont bancales, elles s'appliquent seulement quand ça va en votre faveur. Vos lois sont bancales, elles sont honorables seulement quand c'est pour profiter des personnes que vous aimez. C'est quel pays? Des Makaya, des Mongols ou des pauvres comme nous, il faut payer pour avoir des papiers. Il faut miser pour avoir la nationalité gabonaise. Il faut machin. La maman de Lucrucusus là, Lucius là, Lucasukasukusukusuku, le nom bizarre aussi qu'il a là. Ngol Lucrucus, Ngol Lucius. Lucadassi là. La maman là, elle a 65 ans. Quelles sont les conditions d'attribution de nationalité aux ascendants gabonais? Quelles sont, puisque vous avez dit que non, c'est quoi les gens disent? Et même en France, automatiquement, quand on est marié, on prend la nationalité, automatiquement, les parents prennent la nationalité. Comme c'est vous qui connaissez le droit des Français, puisque les Français, même, toi, tu es au Gabon là-bas, tu n'arrives pas à gérer le droit gabonais. C'est le droit de la France que tu vas venir gérer en disant que quand tu prends la nationalité française, et automatiquement, tes parents aussi prennent la nationalité. Bissoli au Gabon là-bas, il a la nationalité. Je donne Bissoli la nationalité, ou bien Eyang a la nationalité. Hein? Parce qu'il faut d'abord vivre dans le pays au moins 25 ans et avoir au moins 65 ans. C'est-à-dire les droits des Gabonais, vous prenez les Gabonais vraiment. Non, nous ne sommes rien. Les Gabonais ne sont rien par rapport au Jackson. Vous avez donné Samuel Lee Jackson, Billy Miza avec ta tête qui ne ressemble à rien. Tu as donné Samuel Lee Jackson la nationalité, ça devient quoi maintenant? Il a fait quoi avec cette nationalité-là? Donc la nationalité gabonaise, écoute, c'est rien quoi. Demandons-nous pourquoi ces Américains-là veulent maintenant, tout le monde veut maintenant devenir Gabonais. C'est demain après, c'est nous qui allons se mettre ici à crier. Oh, on n'est plus chez nous. Oh. On est géré par les étrangers. C'était d'abord les Béninois, ensuite les Maliens et les Anglais. Maintenant, on est géré par les Libanais et les Américains. Après, c'est nos grandes bouches-là. Lorsqu'il faut dénoncer vraiment, là où il y a une petite injustice, une
une défaillance. Ce n'est pas de l'injustice, une défaillance. Là, il y a une défendance judiciaire. Oh, bah, bah, ah, moi, je dis encore judiciaire, pardon. Bref. Bah, Elena, j'aurais une prudence. Pardon, laissez-moi tranquille. Bilibi, bonne, terrible. Grégoire, moi-même en 2000, en 2000, 2005, c'était en 2005 où il y avait les élections ou 2006. Avant que je ne vienne en France, parce que je viens ici en 2007. Avant de venir ici en France, il y avait, je pense que les élections qui devaient se passer, quelque chose comme ça là, avant les émeutes. J'avais fait ma carte d'identité. J'avais fait ma carte d'identité 2005. Puisqu'elle était perdue, je voulais renouveler. 2005, jusqu'à ce que je suis venue en France en 2007, ma carte d'identité n'était jamais sortie. C'était vers l'aéroport. Je dis même l'aéroport. Ah, aidez-moi. Ah, vers qui est vers Ovendo. Voilà, en 2005, vers Ovendo. C'était vers Ovendo, 2005. Jusqu'à 2007, que moi, Claire, quand je suis venue dans ce pays de l'Europe-là, ma carte d'identité n'était jamais sortie. À chaque fois que tu parles, on cherche, oh, on a perdu, oh, on va chercher, c'est pas encore sorti. Jusqu'à tenir, recommence encore la procédure. J'ai encore le reçu, avant de te donner un petit reçu comme ça, j'ai encore le reçu de ma demande de carte d'identité de 2005. Lorsque je suis partie au Gabon en 2014 pour faire semblant de vouloir chercher encore ma carte, peut-être que c'est à l'escape, merci, peut-être que c'est sorti. 2014, avec mon défunt frère, on est parti à l'escape. Il dit, ah, j'ai encore monté le papier. Si c'était un pays qui archive les choses, si c'était un pays organisé, c'est-à-dire qu'ils ont des archives. Ils ont des archives que même si tu as fait ta carte d'identité il y a 100 ans, ils vont aller fouiller archives il y a 100 ans, ils vont trouver ta carte d'identité. Je pars à l'escape en 2014 avec mon reçu que j'ai encore dans ma boîte. Dans ma boîte, il faut que je trouve. Attendez, j'arrive. Il faut que je trouve ça. Attendez-moi, J'ai ma boîte de documents là. Donc, je vais vous chercher ça. Je ne sais pas si j'ai encore ça là. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est le passeport de mes enfants. Ils sont tous inspirés. Les passeports gabonais, vous avez montré l'éducation. Les passeports gabonais. Ça, c'est le passeport de mes enfants. Ils sont tous inspirés. Ça, c'est mon passeport inspiré. Mon premier passeport, parce que j'ai deux. Le premier expiré, le deuxième expiré. Ah, c'est mon passeport français. Je cherche. Attendez, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai encore la carte là quelque part. Carte étudiant. Oh là là. J'ai même mes trucs de catéchisme là. Mon catéchisme au Gabon. Voilà! Je n'oublie personne. Vous voyez, je ne parle pas pour le mensonge. J'ai encore ça là, par preuve. Vous voyez? Ah, mon ami, regardez. Je n'oublie rien. Je ne jette rien. Moi, je garde trop de documents. Regardez. Est-ce que je mens? Les personnes qui ont fait les cartes d'identité en 2005 avec moi, vous avez reçu ça, non? J'ai encore ça, le reçu de ma carte d'identité que j'ai demandé depuis 2005. Je suis allé en 2014, j'ai demandé, madame, votre carte n'est pas encore sortie. De 2005 en 2014, ma carte n'était pas encore sortie. Je vais vous montrer la date là pour que vous sachiez que je ne mens pas. Regardez même le petit visage que j'avais à l'époque. Regardez. C'est bien moi. C'est bien moi là 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 là. C'est bien moi. C'est établi où? C'est établi où? À Ouungou. À Ouungou là. Au Vendo. Mairie de Nzangayong. J'avais fait ça à mairie de Nzangayong. Lieu de dépôt au Vendo. Le 21 avril. 2005. Eh oui! Voilà! De 2005 jusqu'en 2014, ma carte d'identité n'est jamais sortie.
Tu as peuple gabonais parce qu'après on va dire, oh, on aime parler pour parler, oh, voilà. J'ai encore la preuve ici qu'en tant que gabonaise, je n'ai pas encore ma carte d'identité parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé ma carte, ils ne sont pas structurés, ils ne sont même pas capables d'avoir une base de données qui recense les gens qui ont fait leurs papiers. Ils sont incapables. Je garde ça là. Moi, je garde beaucoup mes papiers là. Parce qu'à l'époque, ça c'était mon ancienne carte d'identité, elle était expirée. Donc, quand mon ancienne carte d'identité, en fait, mon ancienne carte d'identité avait expiré, pour aller renouveler ma nouvelle carte d'identité, voilà, elle avait expiré ici, vous regardez, le 9 mars 2005. Elle expire le 9 mars 2005, et donc moi je m'en vais faire le 25 avril 2005. Donc, un mois plus tard, je vais renouveler ma carte d'identité. Jusqu'à aujourd'hui, Claire Newman n'a pas de carte d'identité gabonaise. Je me balade avec comme le passeport au Gabon là-bas. Hein? Si tu as l'argent au début, là, quand moi je suis venu en France, il fallait miser pour avoir ton passeport. Et oui, c'est la vérité, il fallait miser pour obtenir ton passeport. Si ce n'était pas les misements là, je n'allais pas avoir un papier qui montre que je suis gabonaise, que je dois circuler. En attendant, je n'ai pas une carte d'identité gabonaise. Voilà les conditions des Gabonais. En attendant, je n'ai pas une carte d'identité gabonaise. La première carte d'identité expirée en 2005, elle est là. La deuxième renouvelée en 2005 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais obtenu. Vous voulez même, si vous me regardez là, les gens qui font les cartes d'identité, je vous donne le numéro de mon récépissé qui est là. 2000 plus il y a 531 84 5. Voilà le numéro. Le numéro de mon récépissé. Cherchez ma carte d'identité avant d'aller donner la nationalité à ascendant bizarre. Alors que nous, les Gabonais, nous sommes dans l'incapacité d'avoir nos papiers. Lorsqu'on vient parler ici, les gens disent vous parlez pour ne pas parler, vous parlez pour ne pas parler. Hein? Comment on peut te faire le récépissé de la carte d'identité depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui? Tu n'as pas ta carte d'identité. Mais l'autre vient des États-Unis, a son passeport. Hein? On va me dire que tu es en France. Non! Chaque année, je partais au Gabon. Avant que la résistance n'arrive. Chaque année, je partais au Gabon. Chaque année, je partais faire la curiosité pour voir si ma carte d'identité est sortie. Jamais! De connards et de voyous, des incompétents qui sont incapables d'avoir une base de données. Des connards et des voyous, des incompétents qui sont incapables de structurer même une demande de carte d'identité et avoir des archives. Mais ils sont forts pour donner des papiers à tous, sauf aux Gabonais. Donc aujourd'hui, même au Gabon, même là, si je vais aller travailler dans une fonction publique ou aller travailler, je ne sais pas où, aller faire un ministère, ce n'est pas le passeport qu'on demande. Le passeport n'est pas une pièce d'identité, excusez-moi. C'est un titre de voyage. Donc je suis aujourd'hui, je suis sans papier dans mon propre pays. Je n'ai qu'un titre de voyage. Je n'ai pas un papier qui me certifie que je suis gabonaise parce qu'elles sont expirées. L'un est expiré, l'autre n'est pas sorti. Depuis 2005. Mais j'ai même mon passeport, mon titre de voyage est expiré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quand je suis allé voter Jean Ping président. Ma carte électeur. Mon passeport gabonais est expiré. Ça aussi. Donc, aujourd'hui, je suis sans papier. Je suis sans papier. Passeport expiré, carte d'identité expirée, récépissé non renouvelé. Mais Je ne suis pas Indossi qui a épousé Lucrassi ou Lucius. Je ne suis pas Tonton Jackson. Nous sommes les pauvres. Les pauvres au Gabon n'ont pas le droit d'avoir des papiers. Les pauvres au Gabon n'ont pas ce titre d'être gabonais. Bien sûr, il y a certains qui le sont, je ne généralise pas. Il y a certains qui ont des papiers. C'est même avoir des papiers là, c'est un parcours d'ancien combattant. Ou un parcours de sorcier quand il veut tuer un homme de Dieu. Parce que le sorcier, pour tuer un enfant de Dieu, c'est difficilement difficile. Mes chers compatriotes, c'est bien beau. On va dire, on est contents. Tout le monde devient français, gabonais. Nous sommes contents. Je suis contente. Je ne vais pas mentir. Moi, ça, je ne suis même pas contente parce que qu'ils deviennent gabonais ou qu'ils ne deviennent pas. Ça ne change rien dans ma vie. Mais moi, je continue à dénoncer cette injustice envers les Gabonais autochtones. Je continue à dénoncer ce genre d'injustice envers les ayants droit. Les ayants droit n'ont pas le bénéfice d'avoir des papiers. Je viens de vous montrer ici qu'en 2005, mon premier titre de séjour, à l'époque c'était cette carte d'identité, je ne sais pas comment ils ont changé. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont eu des papiers comme moi, à l'époque vous avez ce genre de pièce d'identité. Vous voyez? À l'époque c'était ça.
Mon premier titre de séjour, mon titre d'identité expire. Un mois plus tard, parce que moi, je suis une personne très réglementairement, moi-même, je n'aime pas être en défaillance. Administrativement, j'aime être en règle. Un mois plus tard, je pars faire ma demande pour renouveler, c'est-à-dire en 2005. De 2005 jusqu'à aujourd'hui qu'on est en 2020, comptez, ma carte d'identité n'est jamais sortie. Ça fait seulement depuis la résistance que je suis pas allée au Gabon. Donc ça fait seulement depuis qu'on a commencé la résistance que je suis pas allée au Gabon. Mais à chaque fois que moi, votre soeur, j'ai parti au Gabon, j'ai toujours mon récépissé qui est là qu'un jour, je vais tomber que moi, finalement ma carte d'identité est sortie. Je vous donne mon numéro, allez-y chercher. 20 00 53 18 45. C'est le numéro de mon récépissé jusqu'à aujourd'hui là. Je n'ai pas encore ma putain de carte d'identité. Donc, donnez les papiers à qui vous voulez, mais respectez au moins la législation gabonaise. Madame Lucrassus, elle n'a pas le plein droit d'avoir la nationalité gabonaise sans respecter les conditions comme il se doit dans chaque pays. Vous prenez vraiment les Gabonais pour les ignorants. Hein? Comme nous aussi, nous sommes ignorants là. Nous sommes là, oh, c'est la jalousie. Vous apportez quoi au Gabon? Vous apportez quoi au Gabon? C'est la plus-value gabonais. Comme nous aussi, on est des vampireux. L'homme gabonais, le sorcier de Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Le sorcier, en fait, toi tu combats pour le bien-être du Gabonais, pour le Gabonais lui-même. Lui-même, il veut être pauvre. Lui-même, il veut être dans la souffrance. Parce que cette souffrance-là lui plaît. Tu n'as pas les papiers et c'est toi qui dis que je suis contente que ma chère, sa mère avait apporté quoi? Vous voyez comment elle est maquillée, belle, jolie là. Vous avez vu? Comme si son bonheur là va rentrer dans vos maisons. Hein? Comme si son bonheur là va rentrer dans vos maisons. Je continue à garder ma pièce, mes récépissés là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un a relevé le numéro. Quelqu'un a relevé le numéro là. Il va finir par me faire sortir ma carte d'identité. Quand je vais venir au Gabon là-bas, je garde toujours mon récépissé là, bien au chaud. Quand je vais venir au Gabon, vous allez me remettre ça. Donc, désolé, excusez-moi, je range un peu le bazar. Je suis venu vous montrer mes bazars et... Regarde les papiers comme une vieille mamie là. Moi je garde tout, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on dit ne jetez pas. Soyez mamie comme moi. Moi je suis mamie, je garde tout. Et ma grande boîte là, j'aime. Voilà. Donc du rangement de ça, j'ai fini de ranger les documents de la famille. Dans les documents de la famille, il n'y a que moi qui suis expiré dedans. Il n'y a que moi qui suis expiré. Je n'ai pas de papier gabonais, je n'ai pas de passeport gabonais, je n'ai pas de carte d'identité gabonais. Je ne suis même plus gabonaise, vous voyez. Je ne suis même plus gabonaise, vous me voyez là. Donc, quand je pars au Gabon, que je prends le visa, ça me fait mal au cœur. Quand je suis partie au Gabon la dernière fois, j'ai pris le visa. Je suis à l'ambassade de Paris comme ça en 2014. J'ai senti de prendre le visa. On dirait une étrangère qui prend le visa. Parce que passeport expiré, carte d'identité non sortie. Tu prends le visa pour aller dans ton pays. Et les autres voyagent seulement gratuitement comme ça. Ils viennent. Vous avez donné Samuel. Samuel, on a fait la pub ici là. Samuel est devenu. On l'a donné le bâton. Il est passé par là. Il a fait ça. Vous avez fait des conneries qu'on ne voit pas ailleurs qu'au Gabon. Vous avez fait de la merde qu'on ne voit pas ailleurs qu'au Gabon. Comme devenir Gabonais là, ça devient un luxe. Oh, jusqu'à. On va aller donner quelqu'un les rythmes, les machins, les trucs. On lui donne des bâtons. On lui donne la sorcellerie. Vous l'avez tout donné. Tout. Il est parti aux États-Unis. Peut-être qu'il va aller faire un documentaire sur ça. Ou bien il va faire un film. Il va gagner de l'argent sur la culture gabonaise. Rien du tout. Et cet argent-là, il ne viendra pas donner ça aux Gabonais. Il ne viendra pas donner ça aux Gabonais. C'est comme ça. Vous recommencez avec l'autre. Maman, à la nationalité, city. Ha, ya, Gabonais. Ha, ya, Gabonais. Maman. Maman, au centre, je cherche ce passeport. Ha, ya, avec passeport. Eh, le CSO là-bas. Avec passeport. Ha, ha, ya, Gabonais people. Et le peuple gabonais maintenant. Combien vont venir crier là? Ah, enfin, je suis gabonaise. Enfin, j'ai mon passeport. Avant d'avoir le passeport, il faut avoir la carte d'identité. Le passeport, ce n'est qu'un titre de voyage. Ce n'est qu'un titre de voyage, le passeport. Ce n'est pas parce que tu as le passeport que tu es gabonais. Oh, parce que tu as le passeport que tu es gabonais. Tu ne peux pas
devenir Gabonais seulement à cause du passeport. Montre-moi ton certificat de nationalité et ton titre de machin. Ça, c'est le papier qu'on obtient même à la dernière minute. C'est le dernier papier. C'est le dernier document. Parce que si tu as envie de voyager, aïe, 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 passeport. C'est toi, Gabonais, ça. Maman. Il veut que celui qu'on appelle Bilimizo aussi est là en train de rire. Vraiment, toi, on ne fait rien, c'est minze, on est un zé, mais les minze, moi, je me disais, tu m'y as l'air, mais ne croyez-moi, moi, je me disais, non, vraiment, moi, je me disais, moi, je me disais, monsieur Blanco, parce que vraiment, où y a un yard, c'est un jumelon, ou est-ce un jumelon, moi, je me disais, ou quoi, ou non, ou sera un député, ou sera un député, ou y a une préfecture, ou y a un tribunal, ou sera ministre de l'Intérieur, ou sera ministre de. Mais il me dit, ou ne dit pas, il y a ministre des étrangers, ou on a même le maçon n'a pas comme nationalité, ou on a mis le bagnard à Yen ou Sou, ou on a fait un roi au gars, ou on a oui, ou on a un anglais, ou on a oui. Il y a un bon nom. Bon nom, bien comme maintenant, bon nom, bien va comme maintenant, comme un acte de naissance, comme une nationalité, ou on a mis le bagnard, mon le maçon, ou on a encore comme maintenant, Gabonais, ou on a fait, ou on a un Gabonais maintenant, ou on a fait, il y a un Gabonais, pas seul maintenant. Mien a hop Gabonais ban dans Milan ben Gabonais ba besoin de papier mien y a sûrement Gabonais injil assez donc mien y a bien sûr injil assez d'abord bien mien le tenait à le bourg à quelle fois on a un bourg ba le mien ba bien le tenait à le bourg nga un bourg ba le mien ba bien le tenait à le bourg mais maintenant va y en a un papier Gabonais ou ma abo y a expiré maintenant la mine van a excusez-moi de parler à cet homme là enfant comme il est fan de Marocco il est fan de chez moi. Son village, mon village, c'est à peu près de 40 minutes, on n'est pas loin. Cet idiot-là. Bilibizo. Maintenant, il y a un carte d'identité. Il y a 2005. Il y a un passeport, il y a un expiré. Maintenant, il y a un calara. Je suis là, mais il n'y a que le calara. Il n'y a pas expiré. Il n'y a jamais sorti depuis une décennie. Jamais sorti, plus de deux décennies. Même si on compte 2005. 2005, 2000 aujourd'hui, ça doit faire quoi? Il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas calculer. Mais ne va que me calera, il vise. Mais il y a un mot, il y a un mot, nia. Asra nous, asra nous, mon, nia. Nia. Il n'y a pas que votre nationalité, sous quel genre de conditions? Comme vous avez dit que la loi gabonaise, elle calquait sur la législation française. Pour qu'un ascendant français obtienne la nationalité, il faut que Bilibizo, puisque ton idiotie de bêteté, que tu n'as jamais franchi les frontières de l'étranger, ou bien tu pars à l'étranger que pour aller lapider l'argent du Gabon. Pour qu'un ascendant d'un étranger obtienne la nationalité de ce pays, surtout ici en France, il faut que l'ascendant puisse avoir minimum 65 ans putain de merde et avoir résidé plus de 25 au moins 25 ans, être résident permanente dans le pays. Ça veut dire que la mère de Soussoussout, là, le Lucris, a déjà fait plus de 10 ans au Gabon et elle a plus de 65 ans. Là, on peut lui donner la nationalité. Toi-même, comme ça, là, les Gabonais cherchent les papiers. Vous, c'est les étrangers que vous donnez des papiers. Nous, comme ça, dans les papiers expirés, on ne peut pas lui donner des papiers. Et puis, on va lui dire que non, vous ne connaissez pas la loi gabonaise. Taisez-vous, c'est les plus-values, c'est les gens qui amènent quelque chose au Gabon. Donc, la main de la chose là, le Luxus là, hein? La main de Luxus, hein? Donc là, elle a une plus-value aux Gabonaises, au Gabon, plus que les Gabonaises elles-mêmes. Elle a une plus-value plus que les Gabonaises elles-mêmes. D'accord? Quand vous la voyez, son luxe là, même ses habits là, ne peuvent même pas payer mon loyer. Quand vous voyez comme ça, c'est la souffrance des Gabonais qui sont dans son visage. Qui se lit, pardon, sur son visage. Hein? Vous venez nous raconter des conneries. Commencez par respecter le droit gabonais avant de venir faire des comparaisons à la con que même en France, quand tu te maries, tu prends la nationalité, automatiquement tes parents prennent la nationalité. Bah de con, vous avez vu ça où? Vous êtes des Français? Vous êtes des Français ou bien quoi? C'est vous qui avez établi la loi française, hein? C'est vous qui avez établi la loi française pour venir dire qu'on a, même en France, que quand tu prends la nationalité, tout le monde aussi prend la nationalité. Bande illettré que vous êtes là-bas, malgré que vous êtes allé à l'école, vous êtes pire qu'illettré. Bilibizo boma bamono wa demo lo wa nyaza wo. Peuple gabonais, moi je vais continuer à dénoncer ce genre d'injustice parce que ça me plaît pas. Ce genre d'injustice est malsaine. On ne peut pas mettre tout un peuple comme ça aux abois face aux riches. On ne peut pas sacrifier tout un peuple comme ça face aux riches.
Voilà. Donc, si comme moi aussi demain là, je vais aller épouser, je ne sais pas par quel miracle, même je vais aller épouser un footballeur, le Croix ou le Crus là, il est qui là? Ou bien une Gamonaise va l'épouser qui? Et puis on va lui donner la nationalité, et puis c'est toute la famille qui va prendre la nationalité d'un coup. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de condition. Et puis comme ça là, c'est le passeport. Le passeport qui est un titre de séjour qu'on octroie, qu'on obtient même à la dernière minute. Qu'on ne tient, c'est même le papier qu'on ne tient, qu'on cherche à obtenir même à la fin. Au départ, c'est d'abord le certificat de nationalité, puis la carte d'identité, et ensuite le passeport qui te permet de voyager. Mais au Gabon, quand on a la nationalité, tu as le connard qui est la tête, qu'on dirait le gourou de mon village à Benelan. On dirait le hibou, il y en a. Et tu as la star aussi qui est là. I am Siti, Siti Gabonais. Siti Gabonais. Moms, mom. Vous êtes des malades. Pays de merde. Bonne année, Antoine. J'ai même un pays de merde. J'ai vu la vidéo là, j'étais vraiment énervé. Hey, Dieu. Ah, comme on est passeport. 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 Elle est en train de rire. Vous-même là, vous ne vous posez pas la question. Hein. Le passeport gabonais à quel indice mondial? Le passeport gabonais à quel indice? C'est les gens qui vont venir s'installer au Gabon et prendre votre pétrole là. Ils vont commencer à investir. Tu vas voir là, la maman là, elle va aussi devenir responsable pétrolier de quelle entreprise? Les gens qui viennent prendre la nationalité française pour bien investir et bouffer l'argent du Gabon. Parce que là, pour faire votre nationalité, I am a people gabonais. Voilà. Comme eux, ce sont qui ont les plus-values au Gabon. Nous, les Gabonais, on n'a pas de plus-values. Comme nous sommes les Mboutes. Comme c'est vous qui avez créé le Gabon, là, c'est vous. Le Gabon, là, Libreville, le Gabon, là, surtout Libreville, là, c'est une ville qui a été conçue par les esclaves. Donc, même nos ascendants, même nos aïeux ne sont pas Gabonais. Donc, ça veut dire que nous aussi, on nous a enlevés quelque part pour atterrir au Gabon. Donc, il n'y a que nos parents, nos enfants, notre descendance qui va peut-être relever le Gabon là où nous sommes là. Parce qu'avec des idiots comme Bilibise, le normal même, pourquoi je t'insulte même? Tu n'as pas mis pied à la fac, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu es tellement bête comme ta tête. Idiot aussi de merde. Comment un ministre des finances ou ministre des affaires étrangères va s'occuper de donner les nationalités aux gens? Hein? C'est pas le tribunal qui donne les nationalités aux gens. C'est pas au tribunal qu'on demande. On fait la demande ou à la préfecture, au ministère de l'Intérieur. Et comme il n'y a pas la préfecture, il n'y a pas de préfecture au Gabon là-bas. Ça veut dire que c'est le tribunal. Donc c'est pas le tribunal. C'est Bilibise qu'on voit tout le temps. Même ça, vous êtes incapable de respecter. Hein? Ça vient une tête là qui ne ressemble à rien. Il est parti. Il est ministre de quoi? Il est ministre de l'Intérieur. Ou il est procureur. Il travaille à la préfecture. C'est lui le député ou le préfet. Bilibise est préfet. Hein? Il est préfet ou il est au tribunal? En qualité de qui que l'homme là tout le temps, il a les dents bizarres là qui m'énervent là, avec sa tête, on dirait la papaye. Il vient même te. Non! Oh, il discute même pour attraper le passeport, pour passer à la télé, pour passer à la caméra. Bon là, bam, nous, on me calme. 2020 là, j'ai dit qu'il n'y a plus trop hésité, non? Hein? Il est ministre de passeport. Bilibise est ministre de passeport. Franchement, les amis, il faut arrêter. Monsieur Lucrucius, pardon, les Américains, vous avez des noms bizarres. Hein? On n'a pas donné nom gabonais. C'est quoi son nom gabonais? Donnez-moi son nom gabonais. Je préfère l'appeler maintenant par son nom gabonais. Comme moi aussi, j'ai mon nom français. Hein? C'est quoi son nom gabonais? Monsieur Ondo. Comme il est sûrement de sa femme est de Wotogwe là-bas, non? Donnez-moi un nom de Wotogwe là-bas. Les Bangoy. Je vais l'appeler Monsieur les Bangoy. Il a pris quel nom? Il a pris quel nom gabonais, Lucrus? Je vous répète, c'est pas Lucrus mon problème, c'est sa mère mon problème. Parce que Lucrus a respecté plus ou moins les conditions pour demander la nationalité gabonaise. Plus ou moins. Parce que je ne pense pas qu'il a vécu pendant 4 ans au Gabon. Parce que la durée de résidence compte aussi dans la demande. Il s'appelle Piga. Piga. Ok.
La durée compte aussi. Donc, il a respecté l'une des conditions qui est la durée de mariage et non le temps de résidence au Gabon. Parce que je ne pense pas que cet homme a vécu plus de 4 ans au Gabon. Si c'est pareil comme en France. En France, il faut au moins faire plus de 4 ans, 3 à 4, 5 ans de résidence en France. Hein? 3 ans de résidence en France, tu introduis la demande et 5 ans de mariage. Tu introduis la demande de mariage. Donc, lui, il a fait 8 ans. Donc, le délai est normal. Mais là où moi, ça choque mon esprit, là, c'est la maman. Mon esprit est choqué par la maman que j'ai vue belle, 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 là. Oh, I am a passport! I am a Gabonese! Ça, là, je ne peux pas cautionner cela. C'est n'importe quoi. C'est bafouer les lois. C'est bafouer votre putain de droit que vous êtes incapable de respecter. C'est un pays de merde. Tout le monde va dire, vous allez voir, tous les venir Gabonais, ils vont dire oh, Gabonais is easy, yes, comment on appelle nationalité, citizen, bref, excusez-moi, vous savez que l'anglais et moi on est en palabre depuis longtemps, citizen Gabonais is easy, go, most people go Gabonais, vous take easy, Gabonais, comment on appelle ça, tous les Américains vont venir au Gabon pour la nationalité Gabonaise parce que c'est le pays le plus facile où on obtient la nationalité Gabonaise en 24 heures. Yes, vous allez voir, c'est pas fini. Après Tonton Jackson, c'est le beau-frère Lucretius. Après Lucretius, là, vous allez voir, il va amener, après c'est sa maman, elle aussi elle va amener son amant. La maman aussi va amener son mari, bien sûr, je ne sais pas qui. Ils vont tous prendre la nationalité. Son mari aussi va amener les enfants. Et puis comme ça, ils vont dire, oh, Gabonese is easy. It's easy country. You take a city, quelque chose. C'est nous comme ça, là. Vous allez voir, tout le monde va devenir Gabonais. Parce que le papier, là, ne coûte rien. Tu passes seulement t'asseoir, tu mises, et puis on te donne. On ne respecte rien. La dernière fois, quand c'était Tonton Jackson, j'ai fait une lettre de plus de 2 heures pour expliquer. Vous avez encore recommencé avec Lucretius, avec la mère de Lucretius. Tu as encore recommencé avec la maman de Lucretius. On ne comprend pas. Toi-même là, on ne comprend pas. Tu es tellement bête. Attends, et Abilibize. Albilibinze, Zaljunda Vowo, Berman Luana, Zaljunda, Zaprane, Berindia, Unundimi, Ndimi, Avalandimu, Nasrmanjulan, Nasrmanjulan, Degrenama. Ah, je vais encore aller, demain je vais consulter encore mon psychologue. Non, tu dis que non, il y a mon parent de Logo et Vindo, il me rend malade. C'est vous tous là qui me rendez malade comme Bilibinze. Ah, vraiment, cher peuple gabonais, soyons nous-mêmes, comment on appelle ça? Soyons nous-mêmes les maîtres et les maîtresses de notre pays. Si on laisse Bilibinze avec sa big band là, gérer le Gabon à cette manière là, hein? Tous les Américains vont devenir Gabonais parce qu'ils vont se dire Gabonais is easy for tech. Comme ça, citizenship, yes! Gabonais, c'est le pays le plus facile pour obtenir la nationalité. Yes, nationality, je vais mettre I à la fin. You go Gabonais. You marry one woman, you take nationality, one day, you city Gabonais. Easy people. Comme ça, tout le monde va venir. But, people Gabonais, nous-mêmes les Gabonais, on n'a pas le droit d'avoir nos papiers, monsieur Lucretius. Donc, la prochaine fois, ayez l'amabilité de demander à votre sauvagerie de Bilibinze comment ça se passe pour obtenir la nationalité. Parce que, là, nous ne sommes pas. Nous n'avons pas des papiers. Voilà. Je viens de vous montrer la preuve à l'appui. Beaucoup de personnes, comme il y a d'autres qui sont arrivées, beaucoup de personnes savent avec moi qu'en 2005, il y avait des demandes de carte d'identité parce que pour être vraiment un citoyen à titre attitré, ton titre, vraiment ta pièce d'identité, le passeport n'est pas une pièce d'identité. Il ne faut pas confondre les choses. Le passeport n'est pas une pièce d'identité, ce n'est qu'un titre de transport, c'est un titre de voyage, c'est un titre qui te permet de voyager. Mais moi-même là, Monsieur Lucretius, dit à Bilibinze qu'avant de vous donner, avant de donner ta mère les papiers, il y a des Gabonaises comme nous là, nous n'avons même pas de pièce d'identité, parce que depuis putain de merde de 2005, depuis les élections de 2005, moi que vous voyez la fofolle là, j'ai fait une demande de renouvellement de ma carte d'identité. Voici le récépissé.
Comme quoi, je garde encore, je suis arrivé en France en 2010, en 2007. Voici le récépissé de ma carte d'identité établie depuis 2005. Jusqu'à aujourd'hui, chaque année que je partais au Gabon, je partais demander si ma carte est sortie. Oh, c'est pas sorti. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais obtenu ma carte d'identité. Avec mon passeport expiré, je suis sans papier gabonais. Oui, je suis allé au Gabon pour la dernière fois, 2014 ou 2015. J'ai dû demander la nationalité, j'ai dû demander le visa. Je vous montre. J'ai dû demander le visa pour rentrer dans mon pays. Où est-ce qu'il est le passeport où il y a le visa? J'ai dû demander, moi, Claire Newman, là, j'ai dû demander le visa pour rentrer dans mon pays. Visa gabonais, moi. Parce que mon passeport était... C'est où? Leur visa, ma boule est où encore? Je cherche le visa, non? République gabonaise. Moi, bah on me poser encore visa, tu vivant. Moi aussi, je voyage trop. Hein. Maman m'a posé visa, t'es vivant encore. M'avait posé, je lui ai changé de passeport, non? M'avait posé le visa là-haut. Voilà! Non, c'est le visa français. Ah, le visa gabonais est parti où? Ah, je suis ma boule. Le visa gabonais, ça dit que c'est dans le passeport français. Moi, je suis dans le passeport gabonais. Voilà comment on met clairement le visa. Donc, voilà le visa gabonais. Regardez. Moi, en tant que gabonaise, pour entrer dans mon pays, j'étais obligée de prendre un visa. Voilà, c'est comme ça. Hein? Ceux qui sont déjà allés au... voilà, le visa gabonais, c'est comme ça, ça se présente. Le visa gabonais. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas la double nationalité, je serais sans papier. Voilà le visa gabonais. Qui m'a permis de rentrer au Gabon 2014. Voilà, mes dernières vacances au Gabon, c'est 2014. Voici. Alors, lorsque toi, Gabonaise, tu te retrouves avec un passeport gabonais expiré, parce qu'il a expiré, que je sache, il a expiré aussi en 2014. Donc, quand je pars au Gabon, aller renouveler le passeport en 2014, j'ai oublié, mais je suis quand même folle. Je n'ai pas le récépissé de ma demande de passeport. Aïe, il faut que je cherche ça aussi. J'ai oublié, comme je parle vite. En 2014, parce que moi, j'avais dit que je n'avais plus misé. En 2014, j'ai aussi renouvelé ma demande de passeport. J'ai renouvelé mon passeport au Gabon. Le récépissé, est-ce que je peux aller fouiller pour vous montrer? Parce que comme je vous ai dit, j'aime parler avec les preuves. Hein? Je vous ai montré que je n'ai pas la carte d'identité, que j'avais renouvelé ma carte d'identité en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu. Mon passeport, j'avais fait la demande de renouvellement de mon passeport en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore sorti. J'ai envie d'aller chercher dans mon autre classeur là pour vous montrer le reçu de ce passeport qui m'a été délivré au SEDOC en 2014. Donc, moi où je suis là, je renouvelle mes papiers. Ma carte d'identité est renouvelée en 2005 parce que la première était expirée. On ne me l'a jamais éditée. Voici la première carte d'identité. Et voici le renouvellement. Vous voyez, la première expire en mars 2005. Je renouvelle, je vais renouveler deuxième, avril 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ma carte d'identité. Mon passeport expire en 2014. Je pars au Gabon avec un visa. Donc moi, Gabonais, je prends un visa pour aller au Gabon. Dieu seul sait comment ça m'a coûté de l'argent. Je pense que 70 euros, 90 euros. Je prends un visa de merde gabonais dans mon pays, de merde pour rentrer dans mon pays parce que mon passeport n'était plus valable. Donc ça, c'est normal. Puisqu'après, c'était soit je prends le laissez-passer, soit je prends le visa. Mais les deux, c'était le même prix. Voilà, je pense que le laissez-passer coûtait encore un peu plus cher que le visa. Donc j'ai pris le moins cher. Et le moins cher, c'était le visa. So, ensuite, quand j'arrive au Gabon, je vais au SEDOC. Comme tout Gabonais, quand tu arrives, la première chose qui est dans ta tête, c'est renouveler tes papiers. Moi, je ne suis plus là à dire que je vais miser à gauche, à droite. Il n'y a plus de mise banque. Les misères, c'est parti. Voilà. Le premier, tu fais mise. Deuxième, tu ne mises pas. Je pars au SEDOC normalement, comme tout le monde, pour déposer ma demande. Que je cherche mon classeur pour vous montrer le reçu. Comme ça, je vais aussi vous donner le numéro de ce putain de reçu de demande de passeport qui n'est jamais sorti. Comme ça, c'est clair. Elle ne raconte pas que de conneries. J'arrive. Quand vous donnez les papiers à tout le monde sauf aux Gabonais, là, il faut commencer à me faire sortir mon passeport, demander depuis 2014. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas.
mis ça dans les autres, parce que comme c'est un papier. Donc, quand vous donnez des papiers à tout le monde, commencez aussi à obtenir mon papier. Mes papiers, ma carte d'identité qui a été demandée depuis 2005, aujourd'hui je ne l'ai pas. Puis mon passeport demandé depuis 2014 qui n'est pas toujours sorti. Mais lorsqu'on voit les gens, quand les gens viennent crier ici, d'autres personnes ont des papiers, on fait comment? Donc, hein, nous tous on veut être Gabonais, nous tous on veut apporter de la plus-value. Quittance de versement. Quittance de versement, c'est quoi ça? Quittance de versement. Ah, c'est ça. C'était combien? 5 000, c'est pas ça. Non, 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 non. Je garde tout. Ça, c'est... je garde tout. Je suis en train de chercher le récépissé de demande de passeport. Comme ça, je vais donner le numéro. Bilibi Zeba aussi me prend mon passeport. Il va prendre la photo. Il va venir montrer aussi que Claire Newman, ne t'en fais pas, ma fille. Ton passeport est finalement sorti. Voici la photo. Il prend aussi la photo. Bilibi Zeba, pardon, il faut aussi prendre la photo avec mon passeport. Voilà. Je suis seulement en train de chercher le récépissé. Hey, Seigneur, j'espère que je n'ai pas perdu au Tanzambie. Ça, c'est le dossier Gabon spécial Gabon. Donc, j'essaie de regarder partout, partout. Ça, c'est la quittance de quoi? Moi, j'ai tout ici. Hein. Quittance de caisse. Ça, c'est la quittance de quoi? Le CEDOC, ça c'est là, non, c'est le CEDOC, c'est pas le CEDOC. Ça c'est pas le CEDOC, ça c'est. J'ai les papiers d'amener ici. Oh. J'ai mis le CEDOC là-haut. Je cherche ma quittance du CEDOC. Donc quand j'ai parti en 2014, là, je n'aurai pas le papier là. Je dis, Mboumame. J'ai un boussard, le papier là-haut. Oh. Oh. C'est ça. C'est ça, je pense. J'avais photocopié ça. C'est ça, 2014. Le 21 août 2014, j'avais photocopié ça. Voilà, le récépissé, j'avais m'écrit ici. Récépissé de demande de passeport. Ah, moi j'aime photocopier, je sais comme ça, c'est présent, non? Voilà. Donc, je vous donne le numéro. Vous allez chercher mon passeport et me l'envoyer. Je vous donne le numéro. Ça, c'est le récépissé de mon passeport, demandé en 2014. Regardez ici la date. Regardez ici la date, la date, la date. P. Oh. Le 21, c'est écrit quoi? 21 août 2014. Mes chers compatriotes, jusqu'à aujourd'hui, Claire n'a pas encore son passeport. Parce que c'est la dernière année où je suis allée au Gabon. Hein? 2014, je fais un mois, je passe souvent pour un mois et demi. Donc de 2014 jusqu'à aujourd'hui, bon, en même temps, je ne suis pas allée demander si c'est sorti depuis 2014, mais je ne sais pas. Mais quand je partais tout le temps, ce n'était pas encore sorti. Parce que quand moi je suis arrivée, je suis allée au Gabon le 15 juillet 2014. Le 15 juillet 2014, le lendemain, lundi d'après, je suis allé au CEDOC. Je suis allé au Gabon le 15, le 15 août. Le 15 août. Donc, le 21 août, je suis allé au CEDOC et j'étais rentré le 20 septembre. Donc, un mois plus tard, jamais, mon passeport n'était jamais sorti. Donc, vous voyez, Claire Newman, la maman qui parle beaucoup là, je ne parle pas seulement pour parler, j'ai souvent les preuves. J'ai souvent, et qui m'avait délivré ça? État civil. Matrice banalise, hein? Banalise, hein? Récépissé de passeport. Imputation trésor 4800-4S. Code nature 19. Référence 9007. Numéro statistique. Je suis en train de vous donner. Oh. Numéro statistique 0-98-99-9M. Ligne 01. Voilà. Et le numéro qui est en bas, là. Le numéro qui est en bas. Je vous lis ça. Numéro 31 86 64 7. Voici les références de ma demande de passeport en 2014. 2014, j'ai fait une demande de renouvellement de passeport au Gabon. 2005, j'ai fait une demande de renouvellement de carte d'identité. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je suis sans papier. Si je n'étais pas française, je serais sans papier. Donc, quand moi je m'énerve ici, quand il s'agit de papier, j'ai une colère énorme. Parce que quand c'est des personnes qui viennent à gauche, à droite là, ils viennent tout droit ramasser les titres de séjour, des papiers des Gabonais, on leur donne parce qu'ils ont l'argent. Nous, on n'a pas la capacité de payer, hein? Ton passeport a été banalisé. Ah bon, hein? Oh. C'était ça, hein? Il vient à Cameroun. Ben, ils vont me balayer.
Donc, ils ont banalisé mon passeport. Ils n'étaient pas encore résistance. Ils ont banalisé mon passeport, pourquoi? En tout cas, tu as attendu, c'est encore là. Ils ont banalisé. Moi, je prends le récépissé, je viens, je finis de payer. Dans ce cas, n'a qu'à me rembourser mon argent. Ils me disent pas pourquoi ils ont banalisé. Voilà, tu as vu. Heureusement, ils interprètent. Comme quoi, vous allez dire, oh, vous avez pris toutes les informations que je vous ai données. Et pareil pour la carte d'identité. Elle a été établie en 2005. Je vous ai donné le numéro 20 00 53 18 45. Je n'ai aucun papier. Je n'ai aucun papier. Continue à donner les bas. Mama, passeport! I am Gabonese people! Yeah, c'était le. Putain de merde. Je n'ai aucun papier gabonais. Je n'ai aucun papier gabonais. Je ne suis même pas gabonaise. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas gabonaise. Récépissé provisoire pour établissement de la carte d'identité nationale. Et là, c'est récépissé de passeport ou banalise. Je n'ai rien. Rien. Mais les autres ont. Donc, quand je vais parler, quand j'insulte les Gabonais, j'ai le droit. Parce que vous donnez les papiers aux autres sans moi. Donc, je suis en train de parler même du Gabon pour rien. Le Gabon qui ne me donne pas les papiers. Le Gabon qui ne me considère pas comme Gabonaise. Je suis en train de crier pour vous pour rien. Parce que ce connard de. Ce putain de pays géré par les idiots comme Bilibise ne me permettent pas d'être Gabonaise dans mon pays. Voilà. Ils préfèrent que je sois une sans-papier. Que je sois une sans-papier. Quand j'arrive au Gabon, ils veulent toujours miser. 2014, je n'ai pas misé pour payer mon passeport. Voilà. C'est peut-être en 2007 quand je suis venu au Gabon en France pour la première fois. Et ça, tout le monde le sait qu'à l'époque, c'était dur d'avoir les passeports. Il fallait miser. À l'époque, il fallait miser. Hein? Donc, quand je suis redevenu en 2005, là, en 2014, ça dit que je ne mise plus. Là, c'est légal maintenant. Puisque c'est renouvelé, je me disais que pour renouveler, ce serait facile. C'est encore pire. Je me disais que pour renouveler, ce serait facile, ils vont me faire sortir mon passeport. Hein? Ils ne l'ont pas fait sortir. Mais quand c'est pour aller donner des papiers à Samuel E. Jackson, là, on trouve le temps de donner Samuel E. Jackson le passeport en 3 jours. On trouve le temps de donner à la mère de Lucrucius le passeport en 3 jours. Et elle aussi, elle vient rire, elle ne sait pas que ça énerve les gens. Elle vient rire devant la télé, là. City. Tu es City, moi-même, je suis là. Au total, je ne suis pas City. Comment tu peux être City? Tu n'as pas 65 ans et tu n'as pas vécu plus de 10 ans au Gabon. Et toi, tu viens nous rire devant le nez que tu es City Gabonaise. Tu es City Gabonaise. Tu peux être City Gabonaise plus que qui ici au Gabon. Hein? Madame la mamie Lucrucius. Hein? Tu peux être City Gabonaise plus que qui ici au Gabon. Il faut arrêter ça. Respectons-nous vivants. Donnons-nous les papiers vivants. Hein? Ce n'est pas à la mort que vous allez donner les gens les papiers. Ce n'est pas à la mort que j'aurai mes papiers. 20 ans pour obtenir la carte d'identité. Je n'ai pas ma carte d'identité. 20 ans. Donc même si vous ne me donnez pas le passeport là, il n'y a pas de souci. Gardez le passeport. Mais ma carte d'identité. Hein? Quand je parle au Gabon, là, j'ai la boule au ventre. Avec les contrôleurs qui te contrôlent partout. Quand tu présentes ton passeport, on me dit qu'on a expiré. Quand tu présentes le récépissé, on me dit que madame, c'est pas valable. Quand tu présentes même la carte d'identité française, on te demande de l'argent que c'est pas un papier gabonais. Donc moi, quand je suis au Gabon, je serai au Gabon là-bas, je serai une inconnue, je ne serai personne. Hein? Non mais oh! Bande de voyous. Voyous d'État. Mais Libye Zébola, bam, vraiment, tu es vraiment l'être le plus. Le plus misérable de la planète gabonaise. Hein? Tu es misérablement misérable. C'est le passeport américain qui me permet de voyager, mais tu sais, on ne peut pas être plus heureux que d'être de chez soi. Tu comprends? Même si le passeport là me permet de voyager partout. Mais excuse-moi, j'ai une fierté de braver le passeport gabonais aussi. Parce que c'est mes origines. Celui-là va me permettre de découvrir le monde entier. Mais celui-là, c'est mes origines. C'est moi. C'est mon identité. Même s'il est pourri, même s'il est comment, j'aime avoir mon passeport vert. Je suis fière de l'avoir, de le brandir comme ça. Je suis gabonaise. C'est un honneur. Même s'il occupe même 100e rang mondial. Même si mon passeport occupe même le dernier rang mondial, mais je serai toujours fière de brandir ce papier que je suis gabonaise, que c'est mes origines, c'est moi, c'est mon identité. Cette identité-là, elle me permet d'être citoyen du monde, mais cette identité me permet d'être moi. Je suis avant tout celle-là, avant de devenir celle-là. Mais pourquoi celle-là? Je ne suis pas fière parce que mon pays ne me permet plus d'être celle-là.
Ma chérie, là, c'est pas question. Parce que si on va compter les avantages et les inconvénients, là, on sait que, avantageusement, le passeport français, américain, anglais a plus de valeur que le passeport gabonais. Mais sérieusement, même les Anglais, là, ils sont fiers d'avoir leur passeport avant d'aller prendre le passeport gabonais. Parce que s'ils prennent le passeport gabonais, c'est stratégiquement aussi. C'est par stratégie, nous tous ici, là. C'est par stratégie, si je prends le passeport français, si eux aussi. Ils ont le passeport gabonais, c'est pas stratégie, ça va l'éviter, un, de prendre le visa, ça va lui permettre de créer une entreprise au Gabon, ça va lui permettre d'être, de s'installer, je ne sais pas, parce que pour vous aussi une entreprise au Gabon, je ne sais pas, avec vos lois bizarres là, vous changez, hein? Donc je ne sais pas, c'est un peu tout ça là, que je suis venu parler aujourd'hui, que moi je continuerai toujours à dénoncer ce genre d'injustice, c'est pas possible. Le Gabonais ne peut pas être réduit à l'esclavagisme dans son propre pays. On ne peut pas être réduit au moins que rien parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée dans notre pays. Hein? Et que c'est d'autres personnes qui ont plus de valeur. Même si mon passeport ne coûte rien, même si mon passeport a 1 euro ou 100 francs, je préfère garder mon 100 francs parce que c'est ce que moi, ma République me permet d'avoir. Eh oui, c'est comme ça. Attends! Ici en Europe, ici là, quand c'est pour dire que non, on veut être quelqu'un, c'est en Europe que nous on vient. Les Européens pour être riches, c'est en Afrique qu'ils descendent. Les Européens pour devenir riches, c'est en Afrique. C'est chez moi au Gabon qu'ils vont descendre. Un SDF en France va descendre au Gabon, va devenir riche demain. Parce qu'il sait que c'est au Gabon, facilement il devient riche. Hein? Alors, donc, comme je sais que moi aussi mon continent et mon pays est mieux placé que leur pays, j'aimerais avoir mon papier aussi. J'aimerais avoir mon papier parce que mon papier a plus de valeur que leur papier aussi. Leur papier leur permet seulement, comme le franc CFA n'est pas convertible partout, hein? Mais mon papier, mon continent ou mon pays est plus valeureux, a plus d'avantages que leur pays. Donc, si nous les citoyens africains, gabonais, nous sommes incapables d'être en possession de nos papiers et que c'est les gens d'extérieur qui ont la facilité d'avoir ces papiers, ils savent très bien que si j'ai le passeport, si j'ai la nationalité gabonaise, j'ai tout. J'ai toutes les cartes pour réussir dans ma vie. Ah oui, c'est comme ça. Nous, on vient pour arrêter ici, pour avoir les papiers étrangers. Tu vas pour arrêter, on va te faire trimballer. Il manque ça, il manque ça. Aujourd'hui, tu donnes tout le dossier complet. Tu as donné tout le dossier complet. Les préfectures de la France, ils ont toujours le Alzheimer. Ils ont toujours Alzheimer à tout moment. Ils te donnent une liste. Tu finis d'établir la liste, tu donnes tous les papiers. 2 mois plus tard, tu vas recevoir un courrier. Il manque un papier qui n'a pas été mentionné dans le papier. Tu vas seulement entendre, suite à l'examen de votre dossier, nous avons besoin, ils vont peut-être te demander quoi? Nous avons besoin de l'acte de naissance de votre parent. Quand tu vas envoyer, tu dis que non, ton parent est mort. Suite à l'examination, nous avons besoin de l'acte de décès d'un cousin. Ici en France, ils ne demandent jamais tout en même temps. Ça vient toujours par goutte d'eau, poutou, 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 jusqu'à toi-même tu es épuisé de leur donner tous les papiers. Ils vont te fouiller toute la famille, et les enfants, et la mère, et les cousins qui sont morts. Tout, ils vont tout demander. Un jour, ils vont me demander le papier de mon grand-père. Ils disent, oh, wow, mais mon grand-père vient faire quoi dans ma demande de nationalité? Ils vont te demander tout, tout, ici en France. Mais au Gabon, non! Tu es Lucrucius ou Samia Jackson. Demain, on va voir R. Kelly, bon, lui, il est en prison. Demain, on va voir une autre star débarquer ici avec sa génération. Prenez la nationalité. Ah non, 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 non. Ma nationalité, elle a aussi une plus-value. Ma nationalité, elle coûte cher. La nationalité gabonaise vaut de l'or par rapport à la nationalité américaine. Je suis désolée parce que les Américains n'ont pas la richesse que le Gabon a. La nationalité gabonaise vaut de l'or. On dit vale de l'or ou vaut de l'or. Bon, bref, prenez un, je ne sais pas. On dit quoi, vale ou vaut. Bref, la nationalité gabonaise est de l'or. Un mot et devient dur. J'aime toujours remplacer par un mot facile. Et le français mon lien me tue. La nationalité gabonaise, elle a plus de valeur que toutes les nationalités européennes. Je suis désolée. La nationalité gabonaise, quand je l'ai, je suis fière. Parce que je sais que dans mon pays-là, si. Vaut de l'or, merci ma chérie. Je sais que dans mon pays-là, si je veux devenir quelqu'un que mon gouvernement est un gouvernement qui permettait à chaque Gabonais de réussir, je sais que entre le passeport français, excusez-moi, le passeport français, le passeport gabonais, hein, avantageusement, le passeport gabonais coûte de l'or, pèse lourd. Eh oui, pèse lourd. Tu es gabonais, tu es un homme heureux. Tu es ça te permet de voyager parce que même ça,
Hmm? Avec ma peau, j'ai un handicap. C'est comme ça, parce que notre peau, c'est un handicap d'emblée. Même si tu brandis ça là, moi-même quand je passe, je voyage, c'est un handicap. Tu arrives à l'aéroport, tu arrives malgré que tu présentes ton passeport rouge. Ils vont d'abord bien. Tu vas voir, les autres blancs vont passer là vite. Ils passent avec rapidité. Regarde tous les cachets, les machins là, quand votre soeur voyage beaucoup, beaucoup là. Voilà, les autres vont passer rapidement. Quand toi tu arrives, prenez, remarquez si vous les Africains qui ont aussi la nationalité française comme moi, vous avez fait l'expérience. Hein? C'est ça, les contrôleurs, la douane, ils vous font, ils te regardent bien. Même quand ils posent le papier, ils te regardent. Peut-être, comme ils ignorent que nous, les Africains, on a les tresses. Bon, comme si aujourd'hui j'ai mis les tresses et que demain je voyais sans tresses, comme à l'aéroport de l'Angleterre, à Manchester, on m'avait demandé, mon nez a changé. Il me dit, your mouth is not same. Comme le mouth que j'ai ici là, je venais à peine d'accoucher, il était un peu gros. Oh petit, je ne sais plus. Je ne sais pas comment il a vu que mon mouth, dans tout le visage là, lui il a remarqué seulement mon mouth, comme ça on appelle le nez, mouth, je ne sais plus, le nez. Il m'a dit que is no same. Je suis resté debout comme ça au contrôle. Je suis, moi c'est biométrique. Mon passeport français c'est biométrique, hein, maman. Même c'est les gens qui te font chier parce qu'ils se disent que nous Africains, on est experts en truchement, non. on est les experts de. On avait monté un documentaire où un Africain travaillait avec les papiers de tout le monde. Il travaillait avec beaucoup d'identité. Donc ils vont te dire machin. À l'aéroport de l'Angleterre, il me dit, il fait ça. D'abord, il regarde Eva. Il dit, si je suis dans ta. Je dis, hé, hey, ça, non, c'est pas mon dada. J'ai volé comme si j'ai kidnappé l'enfant. Je dis, yes, he's mine. Il dit, ok. Maintenant, c'est mon côté. Maintenant, il me regarde, il dit, your house is not same. Donc, moi, d'abord, pour bien comprendre l'anglais, il faut que je demande « Sorry, can you repeat, repeat, repeat ?» Donc, il ne faut pas doucement là. Après, il me regarde, il n'a même pas le temps de répéter. « It's not same. » Je lui dis « Qu'est-ce qui n'est pas same ?» Il me dit « You now. » Je dis que « Ah !» Jusqu'à mon nez n'est plus pareil. Il dit que « It's me. It's my house. » Il est ici, je venais à peine d'accoucher, I am grosse. It's me. Donc, vous voyez. Malgré, alors que toi, si tu es gabonais, tu es notre nationalité camerounaise, tu prends la nationalité gabonaise, on ne va pas te dire que mon ami, ta peau n'est pas pareil, ou ton naus a augmenté, ton naus a diminué. Moi, l'aéroport m'a fait chier à cause de mon naus, à cause de mon nez, en disant que moi, je n'ai plus le même nez. Je ne sais pas comment je vais opérer mon nez. S'il y a quelque chose que je ne changerai pas dans mon corps là, c'est mon visage. Hein? Mon nez là, mon visage reste comme les grosses lèvres, oh, le gros nez, oh, le gros menton ou oh, le double menton, ça reste. Bon, peut-être que le double menton, un bon jour, ça devient star. Mais tout ce qui est dans mon visage là, je ne compte pas enlever quelqu'un dedans. Mais quand toi tu voyages, tu es noir, tu as déjà l'handicapé d'être noir, et tu as le passeport rouge, excusez-moi, même si tu vas te sortir avec la fierté, hein, même quand tu as le passeport anglais, hein, bon, les Américains peut-être parce qu'ils savent que eux, les ascendants américains aussi, il y a des noirs beaucoup là-bas. Il y a des pays comme les Américains et l'Angleterre. Eux là, ils n'ont pas ce genre de problème là. Mais la France, eux, quand tu es noir, quand tu es française, quand tu brandis leur passeport là, façon, il va d'abord mettre 2 minutes pour observer ton passeport. Tu te demandes que franchement, j'aurais pu même voyager avec mon passeport gabonais. Au moins, même ça ne t'aurait pas compliqué. Parce que quand tu amènes avec ton passeport étranger, il va seulement aller regarder si tu as le visa et tu passes. Mais quand tu vas avec leur passeport, je voyais dans presque le monde, ça veut dire que le passeport français est autorisé à voyager partout. Mais ils vont d'abord te regarder comme si c'était un visa. Ce n'est pas un visa, juste pour lire que c'est moi ou regarder mon visage. Ils vont d'abord bien regarder ça. Quoique là aussi, je ressemblais un peu à la chakala bizarre là. Ils vont d'abord regarder ton passeport avec un... Je sais pas, toi, tu es là, tu paniques, mais hey, j'ai fait quoi, oh? Hey, j'ai fait quoi? Il est là. Mm. Et puis, il me dit que non, mon nez n'est pas pareil. Alors, il m'a dit, oh, your nose, it changed, it's not you. Il me dit ça. Je suis là, il dit, vous voyez, quand tu as la réponse, tu dois monter. Mon nez te dit ça comme ça, là. Je dis que it's not you. Il dit que
comment ça, is no me, et il me dit yes, it is no me, yes, ah, comme ça, il fait, ah papa, si is no me là, je ne sais pas qui est dedans dans le passeport, I don't know, is no me, I don't know, oh, you now is no same, il dit, sorry, you now is no same, il dit que, eh, les Anglais, vous allez me tuer, donc c'est mon nez, vous voulez que je l'opère ou bien je l'élargis pour qu'il devienne same, is no same comment? Il dit, is me, il dit, no, is not you. Il dit, ok, no problem. Vous savez, au contrôle là, au contrôle quand il faut monter dans le vol, là, la place, on enregistre là, où il faut passer le passeport, clip, 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 et puis tu passes. C'est là. Moi, on m'a dit que non, c'est pas moi, c'est mon nez là, c'est pas moi qui suis dedans. On m'a arrêté là, à cause de mon nez qui n'a pas changé de bouger d'un iota. Mon gros nez est toujours pareil. Vous voyez que même si on a la nationalité européenne ou anglaise, il y en a les gens qui vont trouver, ils vont toujours trouver des excuses pour nous emmerder. Parce qu'on a un handicap dans ce monde-là, c'est notre peau. Donc moi, je suis désolée. Voilà. Ton nom gabonais. Ah, non, d'habitude, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas, la seule fois j'ai eu de complications, on est quand même resté là pendant au moins 10 minutes. Hein. Je suis quand même resté là pendant un temps parce qu'il fallait, et elle appelle sa collègue, elle vient regarder, comme quoi que, comme, peut-être qu'il se disait que je voyageais avec le passeport de quelqu'un d'autre. Je voyageais avec le passeport de quelqu'un d'autre et j'ai volé Eva. Comme Eva aussi ne me ressemble pas avec son visage pointu, là je ne sais pas où elle allait ramasser ça. Elle n'a pas mon vieux visage rond là. Elle a un petit visage pointu comme ça là. Avec son assis, son agneau. Donc comme il regardait comme ça là aussi, il regarde comme ça, l'enfant ne me ressemble pas. Moi-même, je ne me ressemble pas à la photo. Elle a commencé à faire bizarre, tu vois, les gens commencent à venir là. Je suis là, je ne panique pas parce que parfois si je panique là, je vais gaspiller. Comme la dernière fois avec Natacha aux États-Unis, on a failli gaspiller là-bas. Ils étaient prêts à appeler maintenant la police là. On était à... on était dans une gare à Philadelphie, une Philadelphie. Philadelphie, où le bus était allé nous déposer à Philadelphie là-bas. On était maintenant là-bas, oh, des Américains qui ne savent pas faire de correspondance. Voilà, nous, notre bus arrive à 16h. On nous dit que vous décollez maintenant à 5h du matin. Voilà, nous, les Français, c'est sauvages comme ça. On vient péter un câble en pleine Philadelphie ou Philadelphie. Ou Philadelphie, ou Philadelphie. Ça s'appelait encore, Natacha vient m'aider même à Philadelphie. Voilà, nous, ah, you bad company, on a commencé à faire là. Oh! On entend seulement la dame là qui parlait chercher un monsieur qui vient là, galon. Je commence à fuir, mais c'est. Ah, on est des sauvages. Deux sauvages qui voyagent. Il n'y a pas l'un pour arrêter. Il n'y a pas l'une pour arrêter l'autre. On voit seulement la dame là. Elle commence à dire please, stop. En pleine gare. Hein. Parce qu'on ne comprenait pas la langue. On attend, on regarde comme ça. On regarde maintenant l'itinéraire comme ça. On voit au. Oh, le prochain bus à 5h du matin, on arrive à 16h, on nous dit notre prochain bus à 5h, je dis que c'est comment, why you know have a good correspondence, it's no good correspondence, donc j'ai commencé comme ça, you know have good possibility, bad company, je n'ai pas besoin d'attendre, je ne peux pas me faire chier ici, elle parlait en français, on a commencé à crier, les Américains là-bas, eux quand tu commences à crier là-bas, ils pensent que tu es un terroriste, ou je ne sais pas comment elle me fonctionne dans leur tête. Et puis on a vu quelqu'un qui venait déjà là-bas avec le costard. Donc, oh, je commençais à appuyer ma soeur. Ah, tu vas parler doucement, on va aller s'asseoir, on va attendre 5h du matin, c'est là. Donc, vous voyez, non. Donc, du coup, là-bas, quand on m'a dit que non, mon nez n'est pas pareil, il avait seulement dit que allez-y trouver le responsable du nez, mais moi, je vais voyager. Et après, ils m'ont laissé. Maintenant, elle a fait que, oh, elle a regardé l'itinéraire et tout ça, elle a laissé. Wow. Et puis, elle m'a laissé passer. Bref, donc c'était un peu petite parenthèse que je voulais mettre là tout à l'heure. Là. Ça n'avait rien à voir avec mon... Je ne sais pas quand je voyage demain. Voilà, ça là, ça rentre. Donc c'était ça. Oh. Billy Vince, j'espère que tu m'as écouté. Tu as écouté ta soeur. Comme d'habitude, tu ne comprends pas les souhaits des Gabonais. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Vous ne comprenez pas ce que les Gabonais vous demandent. Vous ne prenez jamais en compte les souhaits de tout un peuple. Vous vous en foutez. Voilà.
On aimerait que le Gabon évolue. On aimerait aussi que le Gabon soit reconnu mondialement, mais pas dans la fausseté, pas dans le trafic, pas dans la merde, pas dans pas comme ça, quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire parler du Gabon, obtenir la nationalité en 2 jours, le passeport en une journée. Ce n'est pas ça. Il y a des domaines où on peut faire parler le Gabon. Donc, si tout le monde, les étrangers, ont le droit d'avoir les papiers au bout d'une journée, je suis désolée, Bilibiz, je viens de te donner mes coordonnées, ma carte d'identité, j'ai fait la demande de renouvellement en 2005, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas sortie. Mon passeport, j'ai fait la demande de renouvellement en 2014 en été, j'ai donné des références en ligne, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas. Je suis sans papiers gabonaise. Donc, s'il te plaît, avant d'aller donner Madame Mama Lucrucius, identité gabonaise, hein? Pardon, mon frère. Pardon, il faut monter. Il faut faire bousculer les patates, les machins, pour que tu viennes aussi présenter mon passeport sur Internet. Je veux te voir, même si je ne suis pas au Gabon là-bas, je veux te voir avec mon frère ou avec ma belle-sœur. Et ma belle-sœur va prendre ma place. Je veux te voir avec ma belle-sœur. Tu brandis mon passeport à la main. Pardon. Et si par malheur, vous avez égaré mon dossier avec vos changements de vos vols que vous avez fait là. Si vous avez tout bousculé, bousculé, papa, je te redonne aussi mes papiers à distance. Je te fais les photocopies. Tu peux m'obtenir mon passeport à distance. Il n'y a pas de souci puisqu'il y a déjà la première demande là-bas. C'est mon troisième passeport. C'est pas mon premier. C'est mon troisième passeport. Donc, mon troisième passeport qui est là-bas, là, il faut me le faire sortir. Même si je ne suis pas là-bas. Mais Louise, moi, je te le demande ici, là. Je te le demande ici, là, Belize. Je veux mon titre de voyage au même titre que les autres. Je veux mon titre de voyage. Je veux que tu me délivres mon passeport. Hélico presto. Presto. Yes. Je veux ça. Je t'assomme. Je t'exige aussi de donner les Gabonais qui n'ont pas leur papier de voyage d'obtenir leur papier. Je suis désolée, c'est comme ça. Je suis gabonaise 100%. Je n'arrête pas de le dire ici. Je suis d'une mère Fang et d'un père Pounou. Je mérite mes papiers au même titre que Madame Lucrucius Lucrucius. Voilà. J'ai fait la demande. J'ai fait les demandes. Jusqu'à aujourd'hui, aucune des demandes n'est validée. De 2005 à 2014, je n'ai ni l'un ni l'autre avant de devenir folle dans les réseaux sociaux. Tonton Bilibiz. Si vous avez perdu mes références, rétablissez à nouveau mes papiers. Wesh! Rétablissez à nouveau mes papiers. Je suis gabonaise. Je ne suis pas américaine. Je suis française que par naturalisation. Donc, je suis gabonaise de source. Et je suis française par mariage. Donc, avant tout, quand je dis je suis gabonaise d'origine et je suis gabonaise. Le Gabon a la double nationalité. Et vous le voyez bien que j'ai du mal même à dire que je suis française. Même quand je voyage, si ce n'est que dans les aéroports, toujours que je suis gabonaise. Bilibiz, je veux aussi mes papiers plus de titre de voyage, de titre de séjour ou je ne sais pas quoi. Attribue-moi les miens. Je t'envoie mon acte de naissance. C'est déjà là-bas au CEDOC. C'est même déjà au CEDOC puisque c'est la troisième demande. C'est le troisième renouvellement. Ce n'est pas, je ne suis pas à ma première demande. Je ne suis pas à ma première demande, tonton Bilibiz. Ouais, ce sont mes deux passeports. Voyez, ce sont mes deux passeports. Premier passeport, celui-là, il était non biométrique. C'était le passeport d'avant, là. Non biométrique. Deuxième passeport, biométrique. Donc, c'est le deuxième là qui est expiré. Le troisième, j'ai demandé en 2014. Il n'est pas encore sorti. Bilibiz, je veux que tu me fasses sortir aussi mon passeport. Je le veux parce que je suis gabonaise. Je vais être fière de voyager avec mon passeport gabonais. Hein? Même si je dois prendre visa. Visa. Et quand j'arrive comme ça, là, ils vont plus me regarder mon nez en disant que mon nez a changé. Hein? Ils vont laisser que non, je suis une étrangère. Je vais être fière de voyager aussi avec mon titre de voyage gabonais. C'est comment? C'est comment? C'est trop demandé à ce pays-là. C'est comment? Voilà, j'en ai fini avec toi. Donc, si tu peux me contacter en inbox, comme ça, on va faire le business. Tonton Bilibiz, si tu peux me contacter en inbox, s'il te plaît, j'en ai besoin.
J'ai vraiment besoin de mon passeport, hein. Parce que là, c'est trop, hein. Parce que si je te donne les références, là, j'ai donné ça en ligne, là. Il y a une soeur qui a dit que ton passeport est banalisé. Banalisé. La référence était état banalise. Eh, banalise. J'ai lu ça ici, mes références. Vous voyez comme quoi, moi, je ne suis pas en train de mentir. Déjà, je mens rarement. C'est vrai que parfois, j'exagère. Mais dans l'exagération, il n'y a pas de mensonge. Je ne sais pas mentir. J'exagère souvent les choses. C'est-à-dire, si la chose était comme ça, je vais rendre ça comme ça. Voilà. Je vais rendre ça intense. C'est comme ça que je suis. Mais mon passeport, j'ai bien donné les dates. J'ai fait mon passeport, ma demande en 2014 n'est pas toujours sortie. Donc, comme c'est comme ça, tonton Belize, je t'en prie, je t'en supplie, refais mon passeport, s'il te plaît. Refais mon passeport. Comme ça, moi aussi, je suis gabonaise. Parce que là, à ce point-là, j'ai juste d'aller demander à Paul Biya de me faire le passeport camerounais. Voilà. J'ai juste d'aller demander à Paul Biya ou bien au Biangema de me faire le passeport équato. Ou bien, comme les Béninois aussi sont remplis là-bas, je pars au Bénin. Je ne sais même pas ce que le passeport... Qu'est-ce que le passeport... Oh, Dieu. Bien. Mes chers compatriotes, donc, merci de m'avoir tenu compagnie. Je vais tout simplement vous laisser en vous laissant avec ces petites notes de réflexion. Tout le monde a le droit de demander la nationalité gabonaise. Comme vous ici, nous avons tous le droit de demander la nationalité étrangère dans les pays où nous sommes, à condition de respecter les règles d'attribution de nationalité ou de demande. Il ne peut pas se faire que si les autochtones gabonais ou les enfants ayant droit gabonais ne sont pas en possession de leur pays, de leurs papiers, de leurs documents de nationalité, et que des personnes qui viennent d'ailleurs, qui demandent et qui n'ont même pas respecté la procédure, jouissent librement du droit de devenir gabonais, d'être gabonais, et viennent nous narguer. I have a passport, I have a passport. Et que nous sommes là, les personnes comme nous qui avons fait les demandes depuis les décennies, nous n'avons ni titre de séjour, ni titre d'identité, ni encore titre de voyage. Donc nous réclamons, nous exigeons à l'État gabonais, hein, nous exigeons, je vais parler comme ça, nous, les opprimés qui n'ont pas de papiers, nous exigeons à l'État gabonais d'être juste envers tout le monde. Si vous donnez les papiers aux uns, donnez les papiers aux autres. C'est comme ça. Voilà. Il faut formuler cette demande enfant. Parce que tu comprends le fang. Au Gadanga, déjà, c'est pas fang. Il y a mon corps comme fang, mais tu vas comprendre comment. Je l'ai déjà parlé enfant. Donc, je vais terminer alors enfant. Tarabi Limiz. Ça fait 3 ans. La première année, tu étais ma cible, si tu te rappelles bien. Mon premier live était contre toi. Mon deuxième, contre toi. J'ai fait au moins 3-4 lives sur toi où je t'ai attaqué dans tous les sens en 2016-2017. Après, je me suis rendu compte que tu es un pion. Tu es un pigeon, tu n'es rien, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas le sens patriotique. Et je me suis calmé de t'emmerder ou bien de t'attaquer puisque toi-même tu n'apportes rien au Gabon si ce n'est que ton visage et ta tête. Donc comme tu reviens que tu as occupé avant, tu étais chargé de communication ou porte-parole du gouvernement. Maintenant on t'a nommé ministre de quelque chose. Je pense que c'est ministre des Finances. Non, tu es quoi, ministre de l'Intérieur? Non. Je sais pas, tu dois être ministre des Affaires étrangères. Tu dois être dans un poste comme ça, là. On t'a nommé ministre. Quand tu vois le peuple gabonais que nous sommes, malgré que nous avons les désaccords politiques, et ça c'est normal, comme dans tout pays, il y a des accords, comme ici en France, comme vous aimez prendre la référence à France, on ne peut pas voir ici que le gouvernement de Macron va interdire au gouvernement, va interdire aux membres de Le Pen ou de... comment ils s'appellent, de tous les autres candidats là, d'avoir leur papier d'identité. Parce que c'est un droit qui est national, c'est un droit qui est le nôtre. Putain de merde, pourquoi est-ce que vous ne savez pas faire la différence entre les positions et tout ce qui est seulement droit gabonais, tout ce qui doit être... je ne sais pas comment expliquer cela, Belize. C'est-à-dire, je suis gabonais, je ne commande pas d'être gabonais. C'est mon droit le plus absolu. Je ne sais même pas comment s'il faut percer le ventre pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, être en possession de nos papiers, c'est notre droit le plus absolu. On ne vous commande pas, on ne vous fait pas la lèche-botte, on ne vous demande pas. Ce n'est pas une demandaison, c'est une obligation. Vous avez l'obligation de nous établir nos papiers. C'est comme ça.
Tu comprends? Donc, quand toi tu arrives là, par comment que toi, du jour au lendemain, on voit que c'est toi qui donnes maintenant la nationalité aux gens, à 30 ans, Dieu merci, ça veut dire que tu as progressé, tu as augmenté les galons ou bien tu as eu la promotion. Attends, bonne promotion. Mais dans la promotion là, Ousmane a gabonais d'abord avant. Avant de donner aux autres, Ousmane d'abord gabonais, Gabon d'abord. Je veux parler ici de Gabon d'abord. Gabon d'abord, nationalisme d'abord, ce n'est pas ni. Je ne sais pas mâcher les mots. Donc, quand le Gabonais n'a pas de papier et que toi tu as le culot de venir donner des papiers à une mamie qui n'a pas l'air d'une mamie, parce que pour qu'elle puisse avoir le papier par son fils, il faut qu'elle soit mamie de 65 ans. 65 ans pour que son fils lui donne la nationalité. La mamie là, elle n'a pas 65 ans. La mamie là, elle n'a pas vécu plus de 10 ans au Gabon. Bilibins, je t'exige au gouvernement gabonais de donner les papiers aux enfants gabonais qui ont déjà fait la demande, qui ont les demandes en cours, qui vous avez même les références, qui ont les références déposées déjà, soit au CEDOC, soit à l'ambassade, soit au mairie, au maire, en Kembo, ou je ne sais pas où. Donnez-nous nos papiers. On ne vous les demande pas. Ce sont nos droits. C'est notre droit d'être en possession de nos documents d'identité. On ne commande pas d'être gabonais ici. Je ne peux pas commander d'être gabonaise. Je suis gabonaise et je réclame tout simplement que ceux qui sont chargés de m'établir mes identités doivent m'établir mes papiers en bon uniforme et me donner mes papiers quand il faut. Voilà. Comme ça, on est quitte ici. Et puis, comme ça, on continue à vous insulter. On continue à vous parler mal. On continue à dénoncer vos manques de réalisation. On continue à mettre aux yeux du monde entier votre manque, votre incompétence. Vos incompétences dans tous les domaines. Même quelque chose de facile, vous êtes incapable d'appliquer. Voilà. Maka. Donc, ma vie, maintenant, comment pour le moment, là, ma connaît un peu, je suis un peu malade, là, ma tension, là, m'a tellement attentionné, là, que même quand je parle, là, je me souffle un peu. Donc, Billy moi, je suis partie. Je reviendrai peut-être une autre fois parce que tu commences à me. Tu es revenu. Donc, quand tu reviens, là, je suis obligée maintenant de revenir aussi en force sur toi. Je suis obligée de revenir en force maintenant sur toi parce que je ne veux pas te lâcher 2020, là. Mais j'ai tellement parlé d'Ali Bongo puisque c'est toi maintenant qui es venu prendre la tête ici au Gabonais. Sache que 2020, on va danser wuka ensemble ici, là. Tu n'as pas les oreilles. En fait, les leçons de l'histoire gabonais ne t'ont rien appris. Toi, tu es comme ça, là, dans la tête, comme ça. Tu te balades, tu vas à gauche, à droite. Mais t'as un dame. Un comme Biawa, dans ce moment, 2020. Mais si vous voulez lire, parce qu'il y a Bonnie là. Wandang bien mo wandang bien lem wandang bien lem abi avant bien lem do bele wo gabone me ne va kayima iba gabone ba nga ben ba nga kama wona o ka ba si kolonga ba gabone ba nga ben wona o ta ba mo onu nga ma le bo o vo ayu ya ma le bo o ngo nga ka bo première année ya université mo nga ni politique ou ni ti va ka bo nya za ma ve ve ye fo ve ve ka bo mi abi ba ba gabone ve le ba gabone abi bi ba wona ata ou wa wo zam na lenga na bon boy assi bene be misa ya ta misa assi za ya ta be ya ta be ya ta be kun mine mine bour yon ko nya av o kun ya susum ya ko nya di blanc que be étranger be passeport nga yon ko nya av be nya ko non susum ya bana susum li bin ze wa nya ka ke gabonais be passeport anena et mon nous vivant donnons-nous les papiers vivants c'est pas la mort sur ce. Je termine. Donnons-nous les papiers vivants. Ce n'est pas la mort, non. Aimons-nous vivants. Je sais, je vous laisse et puis on termine le son. Et bap.
un kama ya yon, un kama ya passeport ba, aka, un kama ya nationalité wa, ah, il bala na yon, ayo, ah, vore yon, un kama na yon, un kama na yon, il libise un kama na yon, un kama ya Gabon, bourba koume te bebe Gabonais, ba yemena Gabonais, Gabon a bele valeur, Gabon, en riche, et c'est ça. On finit sur le son là. Sans elle, nous sommes rien sans notre identité. Je défends ma patrie, j'aime ma patrie. C'est ça là. Voilà, ma cam ayondam. Ma cam ayondam. Ma cam ayondam, ma cam ayondam et ma cam ayondam. Je défends ma patrie, je défends mon identité et je défends mon identité. Voilà, c'est ça le titre de la chanson. Je défends mon identité, c'est comme ça. Je défends mon identité, je défends mon ayon. Ayon, c'est l'identité, c'est la patrie, c'est la nation, c'est tout, c'est ça. Moi, je défends le Gabon, je défends ma patrie, je défends ma nationalité et je défends mes papiers. Eh oui, sur ce, bon week-end à tous. Que le Seigneur vous protège. Soyez bénis. C'était mon premier live. Ah oui, je me rends compte. C'était mon premier live de 2020. C'était mon premier live de 2020. Je n'ai pas trop crié. Je ne voudrais plus trop crier parce que j'ai un peu de tension maintenant, un peu tensionnement, tensionné. Mais j'espère que ça ira dans les jours à venir. Merci à tous et encore merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu pour l'épreuve que j'ai traversée ces deux jours-là, qui a fallu prendre votre tata dérangé. Donc, merci beaucoup. Je dois voir la liberté de notre pays. On doit tous être ensemble lors de la libération. Il est hors de question que tata dérangé, bouche percée, ne soit plus de ce monde pour jouir le bonheur de notre liberté. Donc, merci à toutes les personnes qui ont porté secours, que ce soit verbal, à l'écoute ou conseil ou tout. Merci, ça m'a fait boum au cœur. Je sais que je ne suis pas seule. Même si c'est des amis virtuels, c'est déjà une grande richesse pour moi de vous avoir autour de moi. Voilà. Ah, vous savez que j'aime parler, non? Donc, je vous souhaite bon week-end et à tout moment. Et portez-vous bien. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde paix, protection et divinité dans vos familles et dans vos entreprises. Ah, qui rit encore là? J'ai encore dit quoi? Allez, salut à tous. Au revoir.